Ça a été une victoire compliquée qui a été longue à se dessiner. Je pense même qu'à la mi-temps, Dijon aurait peut-être mérité de rentrer à la mi-temps avec un meilleur score. Mais Ben a su faire les bons arrêts. Et puis derrière, cette expulsion change un petit peu le rapport de force. Et on a su être patient pour pouvoir marquer ce but qui nous fait beaucoup de bien. Ils ont la balle du 1-0, corner, je récupère le ballon. Et ensuite, je vois qu'il y a vraiment le champ libre. Et je vois Jimmy, mais j'hésite à la mettre. On voit bien que je ne la mets pas du premier coup. Parce qu'on était dans un moment, c'était dans le dur. Donc il y a l'envie de calmer quand même. Mais là, c'était quand même tentant. Et puis voilà, Jimmy fait un super geste en la poussant juste avant le Dijonais. Et voilà, le Dijonais se met à la faute, donc forcément 4-10, c'est le match, il n'est pas gagné, mais ça nous donne quand même un avantage. Mais comme vous l'avez vu, il a fallu batailler jusqu'au bout, parce que c'était un match difficile. Ce soir, il fallait impérativement s'imposer, il nous fallait les 3 points pour vraiment donner le ton et basculer vraiment du bon côté. Et sur ce qui a été fait ce soir, c'est bien. Bon, après, c'est vrai qu'on a connu une première mi-temps où on a concédé quelques occasions franches avec vraiment des bonnes parades de Benoît. Benoît qui fait encore bien le boulot ce soir. Et c'est aussi ça le fort d'une équipe, d'avoir un grand gardien, un bon gardien. Donc voilà, il faut être solidaire, on l'a été ce soir et on réussit à s'imposer.